Hello! Bon, aujourd'hui, on va travailler sur les trois pas d'initiation de la salsa. Donc, comme vous voyez, on est Halloween. Donc, voilà, déguisé. J'espère que vous aussi en face, vous êtes déguisé, vous amusez bien. Donc, on va continuer dans cet état d'esprit festif pour faire un peu de salsa. Donc, je vais commencer d'abord à expliquer les pas sans musique. Puis après, je mettrai la musique avec le rythme. Et puis, on passera sur une vraie salsa pour mettre en pratique tout ça. Donc, sur la salsa, il y a 8 temps. Donc le 1 et le 5 sont les temps forts. Et le 4 et le 8 sont les temps muets. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, il est suspendu. 5, 6, 7, 8, il est suspendu. Quand on est un homme, on commence avec la jambe gauche. Quand on est une femme, on commence avec la jambe droite. Donc pied gauche pour les hommes, pied droit pour les femmes. Puisqu'on danse face à face, donc du coup on est en mode miroir, sinon on se marcherait dessus. Mais là, pour simplifier, je vais tout faire à gauche. Donc je vais le faire de face et je vais le faire de dos pour que vous voyez bien si vous voulez du coup danser en même temps que moi. Ça sera plus simple. Donc le premier pas de base de la salsa, ça s'appelle le pas de mambo. C'est le pas de salsa qui est en ligne. Donc vous imaginez que vous êtes sur une ligne, sur un rail, voilà, et que vous faites les pas sur ce même rail. Donc, peut-être que je vais mettre de profil. Bon, de face d'abord. Donc, on va le travailler d'abord sur place. Donc, 1, 2, 3, le 4 est suspendu. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 suspendu. 5, 6, 7, 8 suspendu. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Maintenant, on va faire le pas en ligne, le pas de mambo. 1, 2, 3. 5, 6, 7, j'avance. 2, 3, je recule. 6, 7, j'avance. Je reviens au stade normal. 5, 6, 7, j'avance. Je recule. 1, 2, 3, 5, 6, 7, gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. 1, 2, 3. 5, 6, 7, devant, derrière. Et 1, 5. Et 1, 5. Voilà. Donc ça, c'est le pas en ligne, le pas de mambo. Le deuxième pas de base, c'est le pas de rumba, ou cucaracha aussi. Pas de rumba sur le côté. Donc pareil, alternance, pied droit, pied gauche. On commence à gauche. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Donc c'est tout le poids du corps qui se déplace avec mes pieds. Et c'est pas ça. C'est pas ça, c'est ça. 5, 6, 7. Gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Et 1, 2, 3. 5, 6, 7. Et 1. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et le dernier pas de base, c'est le pas de salsa cubaine qui se fait en arrière. Donc on imagine qu'on a un mur ici et on fait juste les pas en arrière. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Pour simplifier, on va l'ouvrir. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Il me semble peut-être que c'est plus simple, mais en tout cas, les pas sont en arrière. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc tous les pas sont prononcés au sol, hein, sauf le 4 et le 8. Mais on prend l'habitude en étant débutant. On peut faire du bruit. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Comme ça s'ancre bien. Dans le sol, dans le corps, dans la tête. Si on les fait,
Voilà, sans trop les marquer, on va perdre le fil au moment de mettre de la musique. Donc on prend vraiment l'habitude de les marquer. Voilà, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Côté. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7, arrière, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ouvert, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, en musique. Siete. Uno, dos, tres, maracas. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, bongo. Ahora. Cinco, seis, siete. Cinco, seis, siete. Cinco, seis, siete. Guitarra. Solo côté. Ahora. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Clave. En arrière. De arrière. Dos, tres. Arrière. Arrière. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Bajo. Cinco, seis. Dos, tres. Cinco, seis, siete. Donc il y en a trois, il faut bien comprendre la rythmique, s'entraîner sur ses pas de base. Et une fois qu'on a ses pas de base, on peut s'amuser. On peut s'amuser avec des vraies figures qui existent. Voilà, donc c'est des enchaînements, voilà, c'est comme des mini-chorés. Ou tout simplement rajouter des shines. Donc les shines, c'est pour briller. C'est des petites décorations en fait qu'on rajoute au pas de base pour le rendre voilà, plus joli, avec plus de saveur. Donc, je vais vous montrer trois petits shines qu'on va rajouter sur notre routine de pas de base. Donc, le premier pas de shine, on va les faire sur la salsa mambo, en fait, sur la salsa en ligne. Donc, premier pas de shine, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Et là, petit plié, comme si j'allais m'asseoir en arrière. Mais tout petit, hein, au niveau des genoux, 5, 6, 7, je vous le montre, voilà. De profil, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment une petite décoration qu'on rajoute, mais il ne faut pas perdre le pas de base et la rythmique. Donc si on veut le mettre, la musique est trop rapide et finalement mince, je l'ai loupé, il faut qu'on garde en tête le timing pour pas se louper sur le prochain 1. Voilà. Donc, petite décoration, deuxième petit shine. 1, 2, 3, 5, 6, 7. On va le faire sur la partie où je vais vers l'avant. J'imagine que j'écrase une cigarette au sol. Voilà, donc ça fait cigarette, 5, 6, 7. Cigarette, 5, 6, 7. Cigarette. 5, 6, 7. Cigarette. 5, 6, 7. Cigarette. 5, 6, 7.
Et le troisième qui est un peu plus complexe parce qu'on va rajouter un petit pas de cha-cha-cha au milieu du mambo. Donc le cha-cha-cha c'est très rapide, c'est 1, 2, cha-cha-cha, 1, 2, cha-cha-cha, 1, 2, cha-cha-cha, 1, 2, cha-cha-cha. Voilà, ça c'est le cha-cha-cha. On va le mettre sur notre ligne du mambo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, cha-cha-cha, 5, 6, 7. 1, 2, cha-cha-cha, 5, 6, 7. Donc, cha-cha-cha, c'est vraiment alternance des deux pieds, sauf que c'est fait rapidement. Voilà, c'est le cha-cha-cha, c'est vraiment ça, mais rapide. Cha-cha-cha, 1, 2, cha-cha-cha, 5, 6, 7. 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 Et on va en rajouter un autre, parce que moi j'aime bien celui-là. C'est un petit pas chassé. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Voilà. On va rajouter celui-là. 1, 2, 3, 5, 6. Voilà, c'est bien. On va rajouter celui-là. Donc, je vais vous les faire de dos. Comme ça, vous allez bien le voir. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, je m'assois. 1, 2, 3. Je m'assois. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Cigarette. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Cigarette. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. On va partir sur le cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha, 5, 6, 7. 1, 2, cha-cha-cha, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7, chassé. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Voilà, je vais vous le mettre en musique. Donc, voilà, je vais vous mettre les pas de base et les shines. Je m'assois. 1, je m'assois. 1,
2, cha cha cha. 1, 2, cha cha cha. 5, 6, 7, 1. Pachanga, charanga. Cuando usaban el cubito en la nena, ¿cómo? Donc le pas mambo qui est le pas sur une ligne, le pas de rumba qui est sur l'horizontale et le pas en arrière qui est le pas de cubaine que vous pouvez faire juste arrière-arrière ou agrémenté, voilà, ouvert. Donc dans tout ça pour les filles, on rajoute toujours, voilà, des petits jeux, voilà, ta-ta-ta, les cheveux, on se recoiffe. Pour les garçons, plus masculin, donc on essaie de garder... voilà, les mains sur le pantalon. Voilà, on fait rouler les épaules de façon beaucoup plus masculine. Et les filles, toujours. Vous avez là tout des hanches, donc profitez. Imaginez toujours que vous dessinez un infini, un 8 à l'envers avec vos hanches. On essaie de faire les petits pas de shine sur la pointe des pieds, ce qui alourdira moins le pas et ça vous fera aller plus vite aussi. Parce que si on fait tout à plat, et ben on perd quelques petites secondes. Voilà. Donc après, en fonction de votre caractère, voilà, de votre personnalité, votre créativité, vous pouvez inventer vos shines. Voilà. Donc voilà, on rajoute petite touche par-ci, petite touche par-là. Ça peut être, là on a fait cigarette, voilà. Mais vous faites vraiment, vous pouvez inventer vous-même. Le tout, c'est de revenir toujours sur le 1 quand vous faites votre shine. Que vous soyez l'homme dans la salsa qui va guider, ou que vous soyez la femme, quand vous vous laissez, entre guillemets, guider, vous suivez le décompte dans la tête, parce que vous savez qu'à un moment donné, il va falloir repartir sur le 1 de base. Donc voilà. Donc voilà, c'est l'essentiel. De toute façon, une fois que vous avez les bases, vous pouvez vous amuser et faire beaucoup de, voilà, votre créativité à vous, votre personnalité. Donc l'important, de toute façon, c'est de sourire. On peut se tromper, on peut du tout, pas du tout être dans le rythme. Mais on sourit, la salsa c'est une danse qui est joyeuse. Donc voilà, en ces temps un peu compliqués,
Ben, on a besoin d'être joyeux. Vous pouvez danser tout seul chez vous, partager avec vos enfants, voilà, avec vos amis, sur apéro, sur la caméra, voilà, en visio. On s'amuse, vous testez, vous vous trompez, on rigole, voilà. On reste dans la bonne ambiance. Allez, je vous laisse vous entraîner. Bisous!